intense là, ce genre là, vous êtes pas prêts, c'est genre une big surprise, deux big surprises pour vous dans cette vidéo là les boys, là. Restez en ligne. What's up, on est enfin lundi matin, présentement il est 7h36, je m'en vais chez Honda dans ma ville pour voir s'ils peuvent me faire un papier d'évaluation, puis s'ils peuvent pas... Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit, genre, un de mes chemins, il m'a dit, ah, il y a un gars chez Honda qui me le fait, puis blablabla, fait que c'est pour ça que je pense aller là, mais en même temps, hier, je me suis fait revirer de bord. Avant hier, ouais, avant hier, je me suis fait revirer de bord parce que ils m'ont dit chez Honda que c'était rendu informatisé, là, puis qu'ils pouvaient faire ça, fait qu'en tout cas, on verra bien, mais en tout cas, aujourd'hui, ça devrait être vrai, le char va être transféré, et c'est parti. Bon, fait qu'il y a le Tercel qu'on prendra pas, le Civic pas de matin. Lui ici, il faut que je m'assure qu'il est tout le temps remonté. Parce que l'autre là-bas, il veut pas partir. Fait que là, ça commence bien. Bon, ok. Mettons qu'on met ça là, puis que ça ici, on va dire qu'on met ça ici en arrière. Ok. On va remettre la boule de shifter à sa place. Bon. Les roues, je me rappelle, j'ai pas de chiffre, c'est sûr que les roues c'est good. J'avais comme taponné le bumper, fait que là il tient plus ici dans le côté, là. Il tient juste avec des élastiques, ce que je trouvais grave hier pour aller à 1 heure de route, mais c'est pas grave, pour vrai j'ai déjà roulé une couple de mois de même, là, juste avec des élastiques. Il y a des élastiques à ça, là, puis là ils ont pété, fait que là j'ai des élastiques à cheveux que j'ai volé à ma blonde. Mais bon, ça détail. Ça. Ok, ça c'est vissé. Dans le fond, je me rappelle plus ce que je foutais, là. Je pense que le char il est prêt à partir, là. Pas que le bumper ici non plus, ouais. Là, mettons que je tire dessus. J'ai peur qu'il reste en route. Mais, pas le choix, faut que je parte. On est parti. Je reste à voir si le starter va marcher aujourd'hui. Ok, le starter marche. Bon. Good. Parfait. Je le laisse 2 minutes réchauffer et puis je m'en vais. Ça va attendre à 10h finalement que mon chemin m'a dit que le gars y arrivait, fait que... On va changer le... Ben, je vais enlever la batterie du rouge pour la mettre à la charge. Super simple, même pas besoin de rentrer dans le champ, on tire ça. Ça acclenche. On ouvre l'autre. Puis... Ah ben t'as... Puis là, je suis vraiment agréablement surpris. Parce que je voulais dévisser ça, puis d'abord, pas besoin de dévisser ça, fait que. Ciao, pao! On va checker, voir la batterie est à combien. C'est ce que je croyais. Ça veut pas dire que c'est la batterie, c'est peut-être l'alternateur qui charge pas. Charge en cours. Pendant ça, là, je pense que je vais aller finir d'éditer la vidéo de sa mère parce qu'il faut que je sorte à soir. Fait que. Ouais. Moins de 3. Fait que dans le fond, je retourne là-bas au Honda. Puis je m'en vais checker voir si le gars est là pour pouvoir faire le blablabla. Mais dans le fond, j'ai juste fucking out. Fucking out de vous montrer le char parce que vous êtes pas prêts, les boys. Même moi, je suis pas prêt, là. Il est intense, là, ce genre-là. Là. Vous êtes pas prêts. C'est genre une big surprise. Deux big surprises pour vous dans cette vidéo-là, les boys. Là. Restez en ligne. Ouais, j'ai parlé de belles surprises, mais ça dépend pour qui. T'sais, c'est pas nécessairement des belles surprises. Ça dépend comment vous voyez. Vous verrez ça. C'est mon papier d'évaluation, man. Il manque juste à passer à la sac puis espérer que tout se passe bien. Pas comme toutes les autres fois d'avant, dans le fond. Dans le fond, l'évaluation, c'est un petit crisse de papier là, qui est n'importe qui pourrait faire quasiment rendu là, mais en tout cas. Puis là, ben, il manque mon nom dessus, fait que là, je vais encore virer de bord à sac. Fait que là, je retourne chez Honda. Je vais demander qu'il me refasse le papier avec mon nom dessus, je retourne à sac, puis j'espère que ça passe. Le gars à côté avec sa Porsche, tu m'impressionnes pas avec ta Porsche, man. J'ai une Lamborghini. Ma Lamborghini, moi tout, j'ai des bancs à cuir, man, j'ai des ceintures de course, pis tout, ok. Non, je sais pas, man. Vous allez comprendre plus tard. J'ai 2 Lamborghini, man. J'ai 2 Lamborghini. Puis j'ai même une Toyota Supra
là, je parle pas de celle-là, là, je parle de la Toyota Supra Tercel qui traîne dans le fond de la cour, mais c'est parce qu'il y a un allon Supra dessus, il faut que j'appelle la Toyota Supra. Fucking long, man. Le gars que j'ai vu tantôt qui m'a fait mon évaluation, là, il est parti pour une demi-heure, fait que là, j'ai attendu. J'allais faire d'autres choses, je suis revenu une demi-heure après, puis là, il est encore pas là, puis là, j'attends depuis 10 minutes, puis là, ben, c'est juste long, man. Pour rien. Juste pour transférer un char, man. Yes, j'ai réussi, j'ai transféré le char. Le char est à mon nom. Tout ce qui manque à faire, c'est d'aller chercher le char. Sauf que là, dans le fond, j'ai pas pensé que je pouvais pas comme y aller avec mon EK puis revenir avec le EK puis le G. Là, t'sais, il faut quelqu'un là pour aller me porter là. Là, je peux pas ramener deux chars en même temps. Fait que là, ben, on va cogner chez Mick pour savoir si ça est temps de faire ça live là. Parce que je suis tanné d'attendre même après ça. Là. Ok, voici le Civic que j'ai depuis toujours. Là, je vais faire une petite modification qui était ma modification secrète de l'autre jour que je vous ai pas montré, que je pensais toujours pas vous montrer parce que j'ai pas fini, mais genre, je pense que finalement ça presse. Fait que, go! Boom! Ouais, j'étais un peu brutal, hein. Avec le gros body kit pis tout. Là, Guilbeau, salut, dis salut. Salut, bon, ok, maintenant, fais-moi donc voir. Tu sais les boys tantôt là, je vous ai dit que la Porsche elle m'impressionnait pas parce que j'ai une Lamborghini là. Ma Lamborghini est barrée, fait que je vous montrerai pas aujourd'hui. Non, attends un peu. Tu sais quand je dis que j'avais une Lamborghini là, c'est de ça que je parlais. C'est juste que ça, dans le fond là, j'ai installé ça, ça fait un an. J'en ai jamais parlé parce que question de l'égalité là, je trouvais ça calon, mais tu sais. En tout cas, mais là c'est pas tout. Tu peux faire pause, Bon, fait que ici, là, il y a mon Toyota Supra, ok? Ouais, Toyota Supra. Ça ici, là, c'est un Civic swappé LS1, là, pis tout, là. Ok, un ouais, gros swap moteur, ouais. Pis après ça, là, j'ai deux Lamborghini. Ok, une Lamborghini, une Honda Lamborghini 98, pis j'ai une Honda Lamborghini 92. Tout droit sorti de Fast and Furious, les deux. Oh my god. Ça fait longtemps que je gardais le secret de Madame Baudoir, là. Je voulais mettre des néons en dessous de char pis vous montrer la Lambo d'or genre pis le graffiti pis tout en même temps, mais là, d'avoir lui à côté qui niaise là, on dirait que j'ai comme pas le choix de tout vous montrer. Oh, tabarnak! Tout vous montrer en même temps. Oh my god! Wow! Oh, c'est ridicule comment ça me fait capoter. Ça fait 3 jours que j'attends à peu près ce putain de Civic là. Ce Civic là, il est racer à côté là. Je pense que j'ai pas fait le tour, fait que je vais vous le faire là. Gros body kit de malade mental en avant. En passant, j'aime pas tant ça. Les Lambo d'or, ça, j'aime bien ça. Les lips d'un côté ici là, sont moulés. Fait que je peux pas vraiment les enlever. Fait que dans le meilleur des mondes, j'espère aimer ça. Sinon, il va falloir que je les enlève, je fasse du poté. Puis je dirais que c'est plus compliqué un peu. Les marques, j'ai trouvé là à chier. Mais en plus c'est des 17 pouces, là, je vais juste les vendre, je vais en trouver l'autre. On va leur dire qu'il n'y a pas de drop, faut que je me trouve une drop. L'aileron aussi dans les airs, pour vrai, j'ai jamais vu cet aileron là, je sais pas, c'est comme pas une spoon, c'est pas une muggin, c'est pas une... C'est pas une spoon, c'est pas une backyard. Je sais pas c'est quoi l'aileron, mais j'en ai jamais vu de même, puis c'est l'aileron la plus laide que j'ai jamais vu. Ça ici, j'aimais pas ça sur mon EK, mais on dirait que sur le jeu, je trouve ça quand même correct. Le body kit, pas sûr de trouver ça quand même correct par exemple là. Ça ici, c'est quand même énorme là, je peux enlever ça puis ça sort carrément un gros 4 pouces. J'ai sûrement trouvé des bumpers en arrière stock là. Ça j'avais pas le choix de le laisser là comme. Puis ouais c'est pas mal ça en dedans, ça ressemble à quoi? Ça, je suis sûr que c'est pas d'origine là, on a des gauges pis tout. On a un petit volant aussi, style changé là, que je peux pas faire dans mon EK parce qu'il y a des airbags. L'intérieur est quand même assez stock, c'est mon premier EG, fait que c'est pas mal ça qui est ça. Moi j'ai bien aimé les dents intérieures de porte là. On dirait qu'ils sont minces comparé à ceux d'un AK, fait que j'aime bien ça. Avant Civic qui était vert comme ça, là, tout était repeinturé comme à la canette on dirait. Moi les intérieurs de même, il y en a qui disent que ça a l'air pauvre, on dirait que t'as pas fait de show au complet. Moi je trouve que ça donne du design là, genre j'aime ça, mais en tout cas c'est chacun ses goûts là. Puis on va checker dans le dessous du hood mettons. Cloche de hood qui est pas pété, c'est quand même rare. Ben malgré que c'est mon premier jeu, là, j'étais habitué d'un cas. On a un B18. C'est pas mal ça, dans le fond c'est ça. On a un B18, puis là je viens de voir ça ici, c'est colon là, normalement ça s'en va jusqu'ici, puis là ici t'as comme un. Le réservoir là, en tout cas c'est pas grave là, si je peux m'en trouver un. Puis
Puis tantôt aussi, je donnais des coups de gaz, là. Ben voyons donc, c'est des affaires de colons, ça. Il y a un collet dessus, mais le collet, il est pas dessus, genre. En tout cas, ça, c'est un peu cave. Ça, ici, c'est censé avoir un tuyau jusque-là. Ça, ça tel que tel, ça s'arrange quand même bien. On dirait qu'il y a un peu d'huile, bon, en tout cas. Mais ouais, c'est tantôt, là. Le support là, on voit qu'il est craqué, puis j'étais en dessous du hood, puis je le rinçais, puis tu sais, le bloc il shake un peu là. Je pense pas qu'il va arracher là, mais je le mettrais pas de turbo de même. Mettons, je changerais tous les supports. Le support en arrière de la lousse, lui il est craqué. Lui il a pas de l'air, ça coche. Pour vrai, je pense que tous les supports sont à changer. Puis les ceux en avant sont pas là carrément, fait que tu sais, c'est peut-être pas le best là, mais j'ai rené mon B18 de même là, pendant tellement longtemps là, j'en ai rien à battre. Ça aussi, c'est un B18 en passant, là, un B18 A1. Moi avant j'avais un B18 B1 dans celui-là ici, là, avant de mettre le swap turbo dedans. Fait que. Comment ça, je vais vous montrer dans le fond, guys. Puis, c'est ça que je fais depuis 3 jours. J'essaie de transférer cette putain de chaleur à mon nom. Enfin, ça a marché. Là, ça, c'est comme les autres, là. Peux-tu popper le haut dans la malade mentale? Ah ouais. Ouais, man, on peut. C'est sûr que je vais faire un gros graffiti marqué EG là-dedans, man, à côté de l'autre marqué AK, là. Ça va tellement être débile, les deux, man, à graffiti, Lambo Door, Body Kit. Aïe, aïe. Je peux pas croire que c'est moi le cave que ces chars là. En tout cas. Bon, qu'est-ce que t'en penses toi Guilbeau? C'est là ton tabarnak. Yes sir! Je sais pas, d'un côté j'aime ça. J'aime ça, tu sais, genre je regarde un mais j'en vois un passer pis j'suis comme ah tu sais c'est cool! Mais c'est le genre d'affaire cool que j'aurais pas, on dirait, pis là ben c'est moi qui l'a. Fait que tu sais, je sais pas. Je sais pas, on dirait genre j'aime ça mais je suis pas prêt à supporter le mouvement, tu sais, j'suis comme ouais. Je vais-tu encourager ça, tu sais? Je sais pas. Genre. Faut que je trouve des bumper stock. Je vais-tu garder le body kit quand même ou pas? On verra bien là, en tout cas. Fait que c'est mon nouveau char de racer avec mon nouveau street garage de racer parce que je suis rendu avec deux Civic de racer, Lambo d'or pis tout. Fait que. Yes les boys, fait que dans le fond là, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Live là, ça fait trop longtemps que je me fais chier avec ces histoires de transfert là. Fait que là, je m'en vais en haut, je m'en vais relaxer un peu. Je vais peut-être descendre plus tard dans la journée pour taponner un des deux chars, les deux chars, les trois chars, les quatre chars, j'en ai aucune idée. Fait que sinon, en tout cas, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'aimes ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace! La question c'est à quelle inspection il se fera? À quoi? L'inspection. À quelle l'inspection? Ouais. Faut juste pas que je me fasse coller. Je vous dis, l'inspection, ça va être en même temps que celle-là. Mec, je me fasse coller, je suis pas une inspection. Mec, je me fasse coller, je suis pas une inspection. Non, c'est quoi ça? T'es beau au niveau chat? Je savais que tu l'avais pas, le gros. Mais on dirait, là, la fois, je vous explique de quoi les boys, là, ok? Que j'ai jamais expliqué. Quand j'avais mon tercel numéro 1. Quand j'avais mon tercel numéro 1, là, y'a qu'un, là, qui va parler de l'aileron, puis il m'a dit, mets ça sur ton char, puis j'ai fait, arc, ça va être lettre. Il m'a dit c'est pas game, fait que je l'ai fait. Puis j'ai commencé à aimer ça, puis il y a Kyo qui m'a dit ah c'est trop lettre. À un moment donné, je passais devant l'école. Il y a trop soleil ici. Ici, non, ouais. Ah, à un moment donné, je passais devant l'école, puis secondaire, puis là, il y a un petit jeune qui a regardé mon char pendant que je faisais le stop, puis il a fait hier qui a regardé mon aileron tout proche sur le tertiaire. Puis là, je me pissais dessus, puis je trouvais ça tellement drôle de me faire haïr que je pense que c'est depuis ça là que je mets des Lambo d'or puis des body kits parce qu'on dirait que c'est drôle de faire haïr. Genre, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste Fast and Furious 2001 aussi ou pas, mais. C'est ça l'histoire. Lui il est pas crampé, il est genre. Qu'est-ce que c'est cassé? Ah ouais, crise de clampin, man! Ah, parque-moi ça, cette poubelle-là, là! Comme gars. J'ai vu que j'ai ah ouais. 5h pile, je m'en viens ramasser la réaction à Sam. Apporte la job pour voir ma réaction du hot. Non. Non, plus que j'avance, plus que c'était voilé là. Non, mais. Non, mais. C'est lui le câble qui connaît ça. Jean YouTube. Ce gars, c'est le pire. C'est un désastre. Non, non, il a appelé Shrek, le gros. Ouais, ouais. Hey, check, viens ici, là. Drette de devant, là, même, là. Dis-moi, attends, c'est parce que là, il y a un char devant, là. Mais quand on est drette de devant, là, tantôt, mec, il roulait avec pour les changer de place, là. Pis, gros, c'est Shrek, là. Avec les deux petites oreilles, là. Je te fais la promesse, Dieu, que j'embarque pas dans ce char, là. Ah, oh, come on! J'ai marqué, pis je l'ai roulé, là. T'as pas le choix. Ah, t'es obligé.
T'es obligé. Non, mais c'est Fast and Furious, Red, là. T'aimes ça, Fast and Furious? Back in the future. Back in the 2001. Back in the back, en fait. La pâte! Mais non, man! Continue! Attends, check, parce que t'as pas compris, là. Ça, là, ça s'enlève, là, tu sais, ça peut être genre carrément gros de même, là. Ah. Le bout, là, c'est juste la petite vis qui tient ça, là, pour que ça fasse moins de son, là. Tu peux enlever tout ça au complet. Il paraissait moins épais quand on a passé le temps. Ouais. T'as un petit aileron sur le dessus? Non, quoi? Non? Non plus. C'est ça, épais que ton autre, hein? Non, moi j'allais mieux que l'autre, on dirait. Moi j'ai déjà mieux elle qu'elle. Tout le monde n'aime pas celle-là. Ouais. Il y a personne qui l'aime, mais moi étonnamment, c'est sur les cas, je les aimais pas, mais sur celle-là, on dirait que je l'aime. Je sais pas, là, c'est peut-être juste moi. C'est peut-être juste moi. Hey, puis comment t'aimes ça? La poubelle, comment t'aimes ça? C'est ça que tu disais que c'est dedans, genre. Gros, c'est moulé là. Tu peux pas juste l'enlever, là, tu sais. Ouais, sauf que t'es mal peinturé noir, j'ai vu. En plus, je disais qu'il était tellement laid, des gros 17 pouces, man. Genre, le style, il est laid, puis 17 pouces, c'est ouais, laid. Mais style tout noir, style sur mon char, ça pourrait être pas pire. Regarde tes rimes. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... C'est pour mettre des... C'est pour sortir? Des réflecteurs, le gros, man. Ah, mais... Tu sais, là, les chars de course, le gros, là, ils ont des trous ici, là, tu sais, pour l'aération, là. C'est pareil, le gros, là, c'est parce que ça va tellement vite, là, quand je pop la Vitec que j'ai pas, là, que, gros, ça décoiffe, là. Même quand t'as pas de cheveux, ça décoiffe, là. Wow. T'imagines? Attends, j'ai un bon commentaire. Le volant Rex. OK, mais ouvre la porte, Lambo Door style. Lambo Star, là. Oh, Sérieux, là, ta porte conducteur est présente en crise à comparer la porte à jeu, man. Ouais, c'est ça, le check, il est dur. Carrel, bon, au moins, tu sais, tout est réglé, puis tu l'as en fond. Ouvre! Non, mais vers ici, puis là, ouvre là en haut. Ça tient tu elle, au moins? Plus ou moins, là. Ah tiens, mais tu sais, tu t'assois dans le char, tu sais, tu t'achètes à... Ben tu sais, je vais la tenir, là. Wouh! Attends, tu viens déjà briser ta promesse et déjà t'assis dedans? Ouais, je sais. Je t'ai fait la promesse de dire que j'embarque pas dans ce char-là. Je t'ai fait la promesse de dire que j'embarque pas dans ce char-là. Ah! Non, mais c'est fou, ça! Ah, c'est pas prêt, hein? Cluster homemade, le gros. Moi, tu sais qu'est-ce que j'aime? Pour vrai, moi, j'aime ça. Ça, là. L'intérieur de porte, là. Check ça, là, à vous, là. C'est juste un G pour ça, quand même. À cause du volant? Ah. C'est triste. On va l'essayer, ça, c'est 18, Calis. Ah, tu vas l'essayer? Ah, il est très bien. Ah, on va l'essayer. Sans moi, même. Je veux savoir comment est-ce qu'il s'en a. Attention, man, tu vas voir, le porte-à-voix, il tient pas tant que ça, man, puis la 2, elle rentre. La 2, elle rentre, puis la cloche, elle rentre en tabarnak, puis la 3, man, elle dépine du sol. Fait que, essaye pas de rouler en 3, là, au pire, roule en 4 ou en 2, là. Parce que la 3, elle dépine. Puis, c'est ça, la 1, man. Ben, la cloche, mon gars, elle mort en tabarnak, pour de vrai, là. Quand j'ai dépité la première fois, elle fait « What the fuck, mon gars? » Ah, c'est une cloche tajon, ouais, ou 2, ben, ou je sais pas quoi, là. Ça, j'ai pas de misère à y croire, c'est une cloche d'âge quelque chose là, pour vrai. Ouais. Ah, mon boy. Ah, d'accord. Hey, t'as-tu pas eu pop le hood 3 secondes? Puis mets-le au nôtre avant de me déclencher ça dessus parce que t'as oublié. Ah, ok. Là, t'es-tu au nôtre, là? Ouais. Il est calmé, il paraît. C'est pour ça qu'il barbote de même. Check, tiens-moi ça, 3 secondes. Ouais, mais il va pas du temps. Check ça, check, les supports là, sont lousses, mon gars. Il y en a pas en avant, pis tu sais, celle-là, il est tout craqué. L'autre, là, je la voyais, il se promenait, mon gars, là, pis tu sais, celle-là et tout, il n'y a pas de l'air sur la coche, là, fait que. Ben, peut-être que je fasse le job de sport. Je chantais de l'air, là. C'est quand tu faisais tout le gaz. Ouais, elle pose pas de questions, ferme l'autre. La pauvre bleue que ça lâche quand ça dépile, hein? Ah ouais, ça passe en tabarnak, mais ça c'est pas. J'ai déjà vu pas. Ouais, c'était pas tant. Pas... C'est juste. Pas. Too fast, too furious. Moi, je suis content d'être back in the days. Il aurait dû faire un tour de. Back in the days en 2001, man. Dans
Fast and Furious. Quand c'était Fast and Furious, là, ok, moi j'ai écouté le film, man, 2 ou 5 ans en retard, ok, là. J'arrive. Ah non, même pas. Ouais. Ça marche plus que ton chat, ça, man! Parce qu'il a pas ouvert la porte encore, hein? Man! Veux-tu voir un petit show, là, gros? Hey, Paul! Puis comment tu trouves ça, Payot? Ah, ça tire plus que mon chat, man, Trevor. Ah, c'est sûr que ça tire plus que ton chat. Chris, ça décloche pis ça gros, écoute, man. J'ai calculé ça, là, pis d'après moi, je vais rentrer quasiment aussi bien qu'Alex, à part que j'ai une traînée à chier. Parce que lui, genre, il a peut-être une tête Vitek, mais moi, genre, j'ai des cams, fait que c'est comme si je serais tout le temps dans le Vitek. Techniquement. Le monde a fait dehors, t'as fait là, ouais! Ben, c'est pas une tête, mais c'est des cams. Tu sais, genre, le Vitek, là. Y a-tu juste des trucs? Non, non, man, mais sérieux, là. C'est pas juste parce qu'il est camé, y a de quoi, man. Un char camé, ça rentre pas 500 tours, là. Peut-être pas camé non plus, tu sais. T'as juste qu'il barbote. Ah, oh, pis il t'a dit qu'il était camé parce qu'il barbote. Tu sais, je sais pas, moi, là. Je sais pas, ouais. Non, en tout cas, tu sais, le Vitek, là, ça veut dire que 4005, t'as des plus gros cams, mais moi, j'ai tout le temps des plus gros cams, fait que je devrais tirer plus qu'Alex, sauf que j'ai pas une Trani Spectre. C'est pas un Spectre, tu sais. Mais. Ah, oh, bon, on peut partir par là-bas.